Chers amis, comme d'habitude, je vérifie d'abord si tout le monde m'entend. La semaine dernière, le briefing désormais traditionnel de l'Antipresse avait lieu depuis Belgrade, depuis la Serbie, où je me trouvais lors d'un séjour dont j'ai rendu compte. Le premier séjour d'après confinement dont j'ai rendu compte dans l'Antipresse de la semaine dernière. Dans l'intervalle, il s'est produit, le jour même où d'ailleurs je faisais ce briefing, le 13 juin dernier, eh bien, il s'est produit un événement triste et à la fois inévitable et attendu. Nous avons perdu un grand homme et un grand écrivain français, qui était Jean Raspail. C'est pour ça que dans ce numéro-ci de l'Antipresse, l'Antipresse 238, nous avons chamboulé quelque peu le programme et je vais revenir assez longuement sur l'importance de Jean Raspail et de son œuvre pour notre temps, pour la littérature de notre temps et aussi pour la compréhension que nous avons de notre époque et pour notre défense spirituelle dans les temps étranges où nous nous trouvons. On a vu ces derniers temps des événements s'accélérer, se multiplier et qui sont de plus en plus bizarres. On est à peine sorti du confinement du coronavirus que tout d'un coup nous sommes confrontés à une insurrection, à une révolution un peu partout, une révolution racialiste, c'est-à-dire une révolution qui affirme non seulement les droits, d'ailleurs incontestés, des Noirs d'Amérique à vivre, mais également une sorte qui appelle également une sorte de remise à zéro de toutes les valeurs culturelles, civilisationnelles et autres, remise à zéro, qui s'exprime de la manière la plus évidente, comme chez les talibans, par la destruction des statues. J'en ai parlé la semaine dernière, on va y revenir. Ce début de semaine, lundi dernier, j'ai participé à un débat en ligne, à distance, avec un journaliste suisse. Puis j'ai vu les nouvelles se multiplier et je me suis dit, mais on a l'impression que face à ces événements, face aux signes de plus en plus clairs qui apparaissent dans le monde concernant la manipulation des choses, l'exploitation qui est faite de notre situation de santé, de nos peurs, face à l'évidente dérive raciste, racialiste de ces manifestations qui sont une négation non seulement d'une certaine civilisation créée par des hommes blancs et morts dans le passé, mais également des valeurs de civilisation, de loi, hein, depuis quelques semaines, depuis quelques jours, nous avons appris par la bouche même du ministre de l'Intérieur français que les sentiments, les émotions, pardon, mais les bonnes, hein, pas les mauvaises, sont au-dessus des lois. Eh bien, on est sidéré de voir que les journalistes, les gens qui, comme nous, devraient chroniquer cette époque et pour la chroniquer, prendre le recul nécessaire par rapport à ces événements, eh bien, non seulement ils ne prennent pas le recul, mais participent, s'estiment en devoir d'accentuer encore certains mouvements qui relèvent de l'irrationnel le plus pur. Ce qui me fait penser, je reviendrai là-dessus, je pensais à traiter le sujet cette semaine, que nous avons affaire, dans les milieux de l'information, à un bombardement massif de fléchettes chargées au Raja Ija. Vous connaissez le Raja Ija? C'est le poison qui rend fou, qu'on voit apparaître dans un célèbre album de Tintin, Les Cigares du Pharaon. Vous recevez une petite fléchette dans le cou, et tout d'un coup, vous vous mettez à débiter des propos complètement incohérents, à ne pas voir le lien des effets et des causes, et qui plus est, surtout, à décréter que c'est celui d'en face qui est fou. Parce qu'aujourd'hui, pour peu que vous essayiez de faire le rapport entre des causes évidentes et des effets évidents, dès que vous essayez d'exercer votre faculté de raison et de logique, vous encourez le risque
d'être traité de conspirationniste. Mais on reviendra plus tard sur ce chapitre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons un grand homme à accompagner dans sa dernière demeure et à relire dans toute son œuvre. Jean Raspail est connu surtout aujourd'hui comme l'auteur du Camp des Saints, ce roman prémonitoire de 1973 qui, pour la première fois, envisageait l'hypothèse d'un déferlement massif de migrants par la voie des mers sur l'Europe. C'était aussi quelqu'un avec des convictions royalistes très affirmées. Et ce roman, le succès de ce roman, mais aussi ses convictions, ses positions, avait mis Jean Raspail dans une position un petit peu marginalisée du point de vue du milieu littéraire, de la gloire littéraire française, parce que c'est bien connu, on ne peut pas être réactionnaire et grand écrivain. On ne peut même pas être écrivain passionnant avec des intrigues, des aventures et des grands sentiments et être un bon écrivain. Le bon écrivain, dans la tradition littéraire française, c'est quelqu'un qui est chiant et qui pense et qui passe son temps essentiellement à se regarder son nombril plutôt que de regarder ce qui se passe dans le monde et d'explorer le monde depuis les tropiques jusqu'à l'Antarctique comme l'a fait Jean Raspail. Jean Raspail est un écrivain des causes perdues, des peuples perdus et sacrifiés. C'est un écrivain des exils. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, prennent une résonance extraordinaire. C'est comme si toute son œuvre, pas seulement le Camp des Saints, qui ne rend pas un service à l'ensemble de tout ce qu'a écrit Jean Raspail, c'est comme si toute son œuvre, aujourd'hui, trouvait son illustration. Comme si sa création d'une Patagonie imaginaire, vous le savez, il a créé à partir d'un roman, à partir de la vie d'un aventurier français, il a créé une Patagonie, un royaume dont il était le consul, qui attendait le retour de son roi et qui avait naturalisé Patagon, des gens de par le monde, qui avaient même promu des vice-consuls pour naturaliser cette communauté, qui est une communauté de purs rêves et de pures chansons de gestes, et pourtant réelles. J'ai eu la chance moi-même d'être naturalisé Patagon et d'être aussi nommé par Jean Raspail, vice-consul de Patagonie pour le Valais. Donc je parle un petit peu de l'intérieur. Et cette Patagonie, ce royaume du rêve et de la geste, c'est l'une des réponses, et une réponse extrêmement puissante parce qu'elle est littéraire, parce qu'elle est poétique, à l'enfermement que nous subissons. C'est ce que j'essaie de dire dans le prochain Antipresse, en faisant le portrait tel que je l'ai connu, tel que je l'ai vu, de Jean Raspail, en commentant ce visage extrêmement rare, ce visage magnifique que j'ai eu l'occasion de photographier notre toute dernière rencontre qui était en juillet 2019. Rencontre que j'évoque. Et au travers de ce portrait d'un grand homme, d'un grand écrivain, de quelqu'un qui est en dehors de toutes les polémiques humaines, parce qu'il a eu la sagesse de déplacer sa cause dans la Patagonie du rêve, de la poésie et de l'imagination, plutôt que de faire semblant de croire qu'un mouvement, une solution, un leader pouvait nous sauver dans la situation où nous sommes, eh bien, en faisant le portrait de cet homme, en évoquant ses idées, en évoquant sa théologie, en évoquant le profil d'humanité qu'il a décrit, j'espère pouvoir donner des raisons de croire, de se battre, d'espérer dans ce monde où justement l'humanité en tant que telle, c'est-à-dire en tant qu'espèce imprévisible, en tant qu'espèce irrationnelle, émotive, emporté, fonctionnant autant au cœur qu'à la raison, cette humanité-là est menacée. Elle est menacée par sa propre création, par sa propre technologie, par sa propre volonté de mettre dans des petites boîtes l'ensemble de la réalité.
la grande littérature, la poésie, le grand cinéma aussi, mais avant tout la littérature, est à mon sens et dans ma compréhension la meilleure clé de la prison dans laquelle nous essayons nous-mêmes de nous enfermer avec le calibrage, le nivellement, la mise sous contrôle de l'ensemble de nos idées, de l'ensemble de nos pensées, de l'ensemble de nos comportements, de l'ensemble de nos besoins, de l'ensemble de nos rêves. Eh bien, ce numéro-ci, à l'approche de l'été, parce que vous savez que l'Antipresse en été se fait plus de littérature que le reste de l'année, eh bien ce numéro-ci va être un numéro littéraire consacré de mon côté, comme je l'ai dit, à Jean Raspail, du côté d'Éric Werner, à l'exil vu au travers de la littérature de Ernst Jünger, des Falaises de marbre et du Traité du rebelle. Ce n'est pas simplement une parenthèse que nous ouvrons dans nos commentaires, nos analyses d'actualité. Ça fait partie intégrante de notre approche de la réalité. Pour ma part, c'est une approche très inspirée par les écrits, l'enseignement de René Girard, le grand universitaire français, qui avait très bien montré qu'il n'y avait pas de meilleur outil pour comprendre le temps où nous sommes, pour comprendre la nature humaine, que la grande littérature. Et c'est avec ce retour vers la grande littérature que nous allons essayer d'ouvrir les portes et les fenêtres de notre cloisonnement. Je vous souhaite de lire évidemment ce numéro, de le commenter comme vous le faites souvent, de le diffuser, de diffuser nos articles sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, de regarder notre chaîne YouTube. Et quel que soit votre point de vue, quelles que soient vos propres sensibilités et orientations, lisez de la littérature, entrez en dialogue avec la littérature, débattez avec la littérature, contestez-la, attaquez-la, mais usez de votre faculté d'imagination, usez de votre sens poétique, parce que ça, jusqu'à présent et jusqu'à nouvel avis, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à réglementer ni à interdire. À bientôt donc, et bonne lecture de l'Antipresse, bon week-end, bonne semaine.